Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Barbara que je vais interviewer, qui est passée par le salariat, qui est actuellement freelance et qui considère très sérieusement de repasser en fonctionnaire même. Et donc, l'idée de cette interview, c'est vraiment de vous raconter le parcours de Barbara, les avantages et les inconvénients de chaque statut pour aider chacun à réfléchir soi-même à la formule qui lui correspond le mieux, parce qu'on est là pour encourager chacun à vivre de sa passion. Et je pense que Barbara va nous aider à franchir une nouvelle étape. Donc, je suis très contente de t'avoir, Barbara. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Ben, bonjour, Lingen. Bonjour, tout le monde. Pour me présenter, moi, je suis Barbara Cani. Je suis graphiste depuis 2002. J'ai fait des formations, graphiste, PAO, 3D, etc. Ensuite, j'ai tout de suite travaillé pour des entreprises, agence de presse, agence de communication. Donc, j'ai vraiment touché à tout, que ce soit au niveau du print. Je me suis formée il y a quelques années au digital, donc pour le web, pour rester à la page, du coup. Et j'ai de bons souvenirs en fait de mes passages en entreprise. J'ai eu beaucoup de d'anciens patrons, de collègues on est toujours en contact. J'ai pas de mauvais souvenirs. Mais c'est vrai qu'à force, je me disais, j'ai l'impression de faire tout le temps pareil. Enfin, c'est comme tous les métiers, hein, et je pensais de plus en plus à me mettre à mon compte pour voir un peu. Alors, je ne t'entends pas du tout. C'est bon? Pardon. Oui, Barbara, j'avais coupé le son. Oui, je te disais juste de baisser un peu le micro si tu voulais bien. Et puis, si tu pouvais juste présenter quelles études tu avais fait avant d'être graphiste, ce serait pas mal aussi. Et après, continuer. Oui. Donc, pour être graphiste, moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est dessin. Tout le temps dessiné de petite. Et donc, au lycée, j'étais en art plastique. J'avais plus de 10-11 heures d'art plastique, histoire de l'art par semaine. Et j'ai découvert, en fait, la PAO bien plus tard. C'était après le bac, parce que j'étais un peu perdue. Je savais pas trop quoi faire. Et c'est, en fait, le meilleur ami de mon frère qui m'a fait découvrir la tablette graphique. Et là, j'ai vu la tablette graphique, j'ai fait « Waouh !» Ça, c'est trop bien, c'est trop génial. Et du coup, je me suis formée d'abord en autodidacte pour voir un peu, mais c'était surtout pour m'amuser au départ. Et puis, j'ai commencé à chercher des formations. Donc, je viens de Marseille et j'ai vu avec le conseil général de la ville pour faire une formation. Donc, ça a été pris en charge. Donc, j'ai pu faire une formation de plus de 6 mois dans la PAO, donc 3D, etc. Et j'ai trouvé un travail tout de suite, dès la fin de la formation, dans une agence de presse. Donc, c'est pas très créatif, mais en tout cas, ça m'a bien mis le pied à l'étrier. J'ai vu l'entreprise, je faisais des pages, en fait, c'était beaucoup de print. Donc, des pages style beauté, santé, on faisait aussi de l'horoscope. Voilà, je ne dirai pas les secrets de l'horoscope que vous trouvez dans le magazine. et du coup, est-ce qu'on peut remonter un peu avant, à quel moment tu as su que tu voulais être graphiste, hormis la découverte de la tablette graphique, mais avant, tu avais un goût déjà pour l'art plastique. Quand est-ce que c'est venu et quand est-ce que tu t'es dit « je veux faire ça comme travail » J'ai pas vraiment le souvenir de l'âge que j'avais, parce que ça a toujours été ça. Déjà, à la maternelle, je dessinais déjà. Il y avait des petits concours de dessin où on gagnait des livres et tout ça. Et puis, il y avait les institutrices qui appelaient ma mère. « Oh, mais regardez, elle dessine, elle fait les ongles, elle fait les trucs. Bon, » ma mère, qui avait l'habitude de me voir dessiner, trouvait pas ça… Pour elle, c'était normal, quoi, un enfant qui dessinait. Et de plus loin que je me souvienne, j'ai toujours marqué, vous savez, enfin, sur les fiches « que veux-tu faire plus tard ?» Je n'avais pas forcément le nom du métier, mais c'était tout le temps quelque chose dans le dessin. Et c'est vrai qu'en troisième, ça me revient, en troisième, quand on fait le stage d'entreprise, tous mes camarades faisaient les stages en entreprise et moi, j'avais,
fait mon stage d'entreprise avec mon prof d'art plastique du collège. Donc pendant, je sais plus, une semaine ou 2 semaines, j'étais l'assistante du prof d'art plastique. Ah ouais, quand même pas mal. C'était super cool parce que tous les élèves me connaissaient déjà. Mais qu'est-ce que tu fais là, tout ça? Et puis du coup, j'expliquais, j'avais fait mon rapport de stage. Je m'étais vraiment, vraiment, vraiment éclatée, quoi. Et Super. après, bah, au lycée, c'est assez compliqué d'entrer dans les filières art plastique parce qu'il y a beaucoup de demandes et peu de places. Donc ma première seconde, parce que j'ai redoublé la seconde, comme beaucoup de gens apparemment. Comme moi. Voilà. Et du coup, j'étais pas du tout en art plastique, j'étais en éco, je sais pas trop quoi. Donc honnêtement, j'ai fait un peu n'importe quoi la première année. Moi, SES. ouais, SES, c'est ça. Et je voulais aller en art plastique parce que je les voyais tous avec leur carton à dessin et j'étais là, oh mon Dieu, je veux faire ça. Et puis la deuxième année, donc je redouble, mais c'est pareil, on veut me remettre en SES. C'est pas du tout, enfin, je veux pas faire encore SES, ça sert à rien. Et je suis allée en littéraire. J'ai dit, bah, tant pis, si je fais pas d'art plastique, je veux pas faire d'SES, je ferai italien troisième langue. J'ai fait, ouais, ok. Donc j'ai fait 3 semaines d'italien à peine, parce que le temps que je fasse tout ça, j'ai eu des échos comme quoi il y avait encore de la place en art plastique. Donc j'ai monté un petit dossier, je suis allée voir le proviseur, le prof d'art plastique, pour lui montrer mes travaux, tout ça. Et ben, j'ai été prise. Donc j'étais pas dans la même classe que les autres, j'étais juste avec eux en art plastique. Donc j'étais un peu la pièce rapportée. Je suivais que leurs cours d'art plastique en commun, mais c'était super, super sympa. Et puis ben, après, voilà, quoi, ça C'est allait. enchaîné. Est-ce que tu as eu des petites voix où ça venait de tes parents ou de tes amis qui disaient, mais faut que tu fasses des études plus classiques, que tu prennes moins de risques pour avoir un travail dans l'art, c'est très Ah compliqué. oui, peut-être pas forcément par la famille, mais c'était même toute seule parce que, bon, c'est une petite anecdote, mais quand j'étais plus jeune, je me promenais du coup avec mes parents à Marseille sur le Vieux-Port et tout ça. Et il y avait tout le temps, en fait, les artistes des beaux-arts qui dessinaient sur les trottoirs. Et je me disais, oh là là, c'est super, mais je veux pas dessiner sur les trottoirs. J'avais trop. Je serais trop stressée en plus de dessiner devant tout. Et en fait, bah, c'était quand t'es enfant, tu te dis, mais comment ça se fait? On dessine sur les trottoirs. Enfin, alors que bon, c'était des étudiants en art, c'était pas forcément. Il fallait qu'ils montent leur truc, quoi. Donc moi, j'étais là, non, je veux pas dessiner sur les trottoirs. Mais bon, j'ai quand même fait mon truc, mais je ne suis jamais allée aux Beaux-Arts par rapport à ça. D'accord, parce que c'était un peu trop risqué Ben, je me ou disais qu'il tu n'y a te pas de. permettais pas de tenter ça? Puis, je sais pas, on n'était pas bien renseignés. Même les conseillers d'orientation que j'ai vus à l'époque, ils n'étaient pas du tout renseignés sur l'art. C'était vraiment, comme tu dis, SES, tout ça, faut faire. En fait, personne ne nous encourage à faire ces études-là. C'est tout le temps, on nous sort la fiche, par exemple, prof d'art plastique ou je ne sais quoi, et on nous dit, bah, regardez, il y a 30 places et il y a je ne sais pas combien de candidats, genre 300. Tout de suite, ça décourage un peu. Et donc, on passe à autre chose. Ok. Alors du coup, je t'ai interrompu. Tu nous parlais de ton travail salarié. Oui, si tu veux nous raconter comment tu as transitionné vers le freelance. Alors, comment je suis passée vers le freelance? En fait, dans la dernière boîte, dans laquelle j'ai travaillé, ça me plaisait, mais je me rendais compte que les projets, quand on est salarié, on n'a pas vraiment le choix. Il y a le chef de projet qui arrive, il dit voilà, on a un projet, c'est ça, que ça te plaise ou que ça te plaise pas, tu le fais. Bon, et tu as l'impression, en fait, des fois, je veux dire, de 9h à 18h, de te dire mais purée, j'ai envie de faire autre chose, j'ai plein d'idées, et puis tu es bloqué. Donc petit à petit, ça a vraiment germé dans mon esprit et je me suis dit j'ai envie de tester le freelance parce que j'ai envie d'avoir les clients que j'ai envie, j'ai envie de bosser sur des projets qui me plaisent. Bon voilà, donc forcément c'est vraiment le but final au final, enfin au final on a vraiment envie de faire ça pour soi-même quoi. C'est pas Ah. fou.
Non, Vas-y, non, vas-y, bah, continue. vas-y, c'est Non, ça. je voulais savoir comment tu as géré le risque et les gains potentiels. Comment tu t'es dit, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, oui, j'aimerais bien être à mon compte, mais je prends ça comme risque. Est-ce que ça en vaut la peine? Comment toi, tu as géré cette réflexion? En fait, j'ai géré parce que bon, j'ai quand même des arrières. Là, je suis quand même assurée au final parce que je suis, du coup, comme j'avais fait une rupture conventionnelle, parce que j'avais parlé de mon projet à mes anciens employeurs, donc ils s'étaient intéressés en plus pour bosser avec moi par la suite en freelance, donc ça encourage beaucoup. Du coup, j'ai aussi à côté, j'ai aussi le Pôle emploi. Donc, le Pôle emploi, finalement, il nous aide quand on est en auto-entreprise. On a, je crois qu'on est payé, oui, c'est 80% de nos allocations. Ensuite, on nous renvoie un papier d'URSSAF si on a travaillé ou pas, puis il nous complète. Donc, pendant quelques temps, c'est vrai que ça nous permet de nous dire, bon, je peux bien me poser, mais il ne faut surtout pas s'endormir, du coup, sur ses lauriers, parce qu'on se dit, oh, c'est cool, j'ai des allocs pendant un an ou deux. Non, non, justement, il faut profiter de ça. Pour se dire voilà, ça me permet de bien monter mon truc. Donc c'est vrai que ça commence tout doucement, mais au moins je suis pas stressée de prendre n'importe quel projet au final et ça me permet de choisir mes clients. Je vais peut-être faire une parenthèse pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ruptures conventionnelles. C'est simplement quand on est salarié et qu'on démissionne, on n'a pas droit aux allocations chômage parce que voilà, l'État estime que c'est notre choix. Mais quand l'entreprise nous licencie, bah là, on a droit aux allocations. Et il y a l'entre-deux où on essaie de négocier une rupture conventionnelle avec son employeur pour permettre après de pouvoir toucher les allocations chômage. Voilà, ça c'était juste pour que les gens comprennent. Tu nous racontes tes premières missions, comment ça s'est fait, et puis les questions, les doutes et les joies que tu as eues en tant que freelance? Donc, première mission, avec mon ancienne boîte, du coup, j'avais commencé un projet pour, donc je vais citer, hein, pour Sushi Shop. Donc, Sushi Shop, ils étaient en train de refaire tout leur programme de fidélité. Donc, ils voulaient, comme il y avait trois niveaux, donc ils cherchaient vraiment un concept à trois niveaux pour t'es super client, moyen ou bof bof. T'aimes moyennement les sushis, mais tu fais quand même partie du programme fidélité. Et avec mon ancienne boîte, j'avais commencé à bosser avec eux et je leur ai proposé un concept. Et Sushi Shop avait choisi ce concept-là. Mais j'étais en pleine rupture conventionnelle, du coup, on était entre deux. Et mes anciens responsables ont quand même décidé de continuer avec moi en freelance pour que je puisse continuer ce projet-là. Donc, j'ai bossé encore pendant pas mal de temps là-dessus. Donc, ça m'a bien lancée. Puis, ça motive vachement. On se dit, bon, j'ai fait le bon choix. Puisqu'ils veulent quand même bosser avec moi, donc ça c'est cool. Donc ça c'était ma première mission en fait en tant que freelance. Et ensuite j'ai encore bossé bien deux trois fois avec eux. Donc je suis en freelance depuis l'année dernière, ça va faire presque un an. Donc j'ai bossé avec eux tout de suite. Donc ça c'était super parce qu'ils me faisaient confiance. Et en parallèle. Donc, quand ça s'est terminé, j'ai eu, pareil, des anciens collègues qui ont fait appel à moi pour d'autres projets. Donc là, en ce moment, je suis avec une ancienne collègue qui s'est mise à son compte aussi. On est en train de bosser pour monbanquier.fr. Donc voilà, c'est super. Ok, donc le réseau a beaucoup joué et tu as bonne relation avec Ah ton oui, ancien employeur aussi. pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le réseau, le bouche à oreille, les amis. Pour moi, c'est vraiment le côté très social qui fonctionne. Je parle à tout le monde, donc il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Je parle de ce que je fais, je distribue ma carte. Et les gens, même si ce n'est pas pour eux, hop, ils parlent et c'est d'autres personnes qui m'appellent par rapport à ça. Donc ça, c'est assez bon. Alors du coup, Barbara, on s'est connus dans le cadre de la formation marque personnelle, parce que c'est comme ça que tu as été cliente. Tu as appris des choses dans la formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur qu'est-ce que tu as mis en application, qu'est-ce que tu as appris? Parce que le réseau, c'est bien, mais tu as compris aussi qu'on ne pouvait pas compter que sur le réseau. Qu'est-ce que tu as mis en application pour trouver d'autres clients? Eh bien, j'ai réactualisé mon compte LinkedIn.
parce que j'avais un compte LinkedIn, mais c'est vrai que je m'en servais pas trop. Et là, je l'ai réactualisé, j'ajoute des contacts assez souvent. Donc, je regarde les gens qui peuvent être intéressés ou surtout qui m'intéressent en fait. Je regarde ce qu'ils font. Je like leur publication. Je like pas n'importe quoi, hein. Je like vraiment quand ça m'intéresse. Je partage sur Facebook aussi, je partage beaucoup. Mais Facebook, c'est un peu moins professionnel. Mais ça marche pas mal aussi. Parce que j'ai beaucoup d'amis, donc ça parle beaucoup aussi. Donc on en revient encore à ça. C'est du bouche à oreille, on va dire, mais digital au final. J'ai fait ça, j'ai réactualisé mon site internet. Donc voilà. J'ai toujours pas de blog, hein. Je suis désolée. Non, non, mais chaque Non, mais chose en son j'ai vraiment temps. le projet d'en faire un parce que le guide du blogueur m'a vraiment beaucoup motivée. Mais là, j'ai plein de trucs en tête et donc, mais je vais le faire. Alors, je spoil un peu parce que Barbara compte rejoindre l'éducation nationale, mais je connais de plus en plus, moi par exemple, ma filleule, elle est à la maternelle et sa prof a un blog où elle raconte semaine après semaine ce qui se passe à maternelle. Et ça, c'est génial parce que les parents, ils savent ce que les enfants font, les enfants, ça les valorise. Bon, après, quand on est un peu plus grand, ça marche différemment. Et moi, j'ai eu aussi un de mes profs à la fac qui m'a fait travailler sur le blog. Voilà, tout ce que tu as appris, tu pourras le réutiliser dans d'autres cadres. Oui, et du coup, moi, cette formation m'a fait vraiment, je l'ai déjà dit, mais elle m'a fait vraiment grandir professionnellement et personnellement. Le côté humain, j'ai vraiment, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'était pas le côté business avant tout, attention, on est là que pour faire de l'argent, tout ça. Non, oui, il faut faire de l'argent, c'est normal, on est là, il faut bien vivre, donc. Mais c'est vraiment ce côté-là, vivre de sa passion. Moi, ça m'a vraiment boosté. Du coup, par rapport à ce que tu as appris et ton regard sur les freelances, les graphistes, quel conseil tu donnerais à d'autres graphistes? Alors voilà, tu n'es pas non plus experte, mais pour des graphistes débutants qui se disent, OK, je me lance pas, OK, je me lance maintenant, comment je trouve mes clients? Quel conseil tu pourrais donner? Alors déjà, je pense qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut déjà peut-être s'orienter vers les associations au tout début, parce que les associations, bon, ça paye pas forcément très bien, mais on peut faire parler de nous. Parce que le fait de s'impliquer dans quelque chose, je pense qu'au niveau des valeurs, ça va plaire à certaines personnes. Donc ça, il faut beaucoup le partager. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, je suis très cause animale et tout ça. Là, je bosse pour une association, du coup, qui sauve les animaux en maltraitance ou abandonnés, etc. Et ça m'a fait, du coup, ça m'a fait travailler parce que l'année dernière, j'ai aidé cette association, du coup, bénévolement. Je leur ai fait leur calendrier, leur agenda, etc. Et cette année, du coup, la responsable m'a rappelé pour que je bosse avec elle, pareil pour les goodies, etc. Donc honnêtement, j'ai pas fait facturer beaucoup, j'ai facturé un jour symbolique, alors que je bosse dessus depuis au moins janvier et ça va durer encore jusqu'à janvier prochain. Donc c'est Alors justement, je pense que c'est un bon point, c'est que souvent, alors il y a le travail gratuit, il y a pas mal de débats, par exemple les graphistes, faut pas, il y en a qui disent qu'il faut travailler gratuitement, d'autres qui disent non, sinon ça habitue les gens, c'est honteux et tout. T'en penses quoi de ça, si tu es débutant, est-ce que tu accepterais de travailler gratuitement ou pas cher? C'est quoi ton avis là-dessus? En fait, ça dépend. Là, pour l'association, ça me tient vraiment à cœur. Donc, même gratuitement, je l'aurais fait. Donc, il n'y a pas de souci. Après, la responsable m'a dit non, 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 non. Tout ça, elle a insisté. Donc, je lui ai dit, écoute, je te fais un jour symbolique. Et puis, c'est tout. Parce que je préfère que tu t'occupes des animaux que de me donner de l'argent. Mais par contre, ça dépend les clients, en fait. Si on voit les clients, par exemple, on voit des clients qui veulent faire, je ne sais pas, ils viennent d'acheter, par exemple, une grosse boutique ou un truc comme ça, on se dit bah, quand même, je dis pas qu'ils sont milliardaires, mais ils ont quand même un peu d'argent, ils ont envie de monter leur business et tout ça. Et les clients souvent ne se rendent pas compte
que ben, nous aussi, on a un business et qu'on a besoin de travailler. Et que le graphisme, c'est pas juste, on fait des petits dessins avec notre tablette, on fait des petits logos, on s'éclate, c'est un jeu, quoi. Ben non, nous aussi, on a besoin de travailler. Et puis surtout, ben, ce que j'ai appris grâce à la formation, et je ne m'en rendais pas compte, parce que moi, j'avais un petit problème avec l'argent, je n'osais pas donner mes prix, je me disais toujours, ah, c'est cher et tout ça, ils vont jamais accepter. Mais en fait, ce que je ne me rendais pas compte, c'est que ben, on leur fait un super logo. On leur fait, je ne sais pas, par exemple, l'exemple d'un restaurant, on leur fait leur menu, leur devanture, etc. Ben nous, une fois qu'on a fait tout ça, ils ont tout en main. Bon, ben on est payé, c'est cool. Mais eux, après, ils ont plein de clients, ils ont beaucoup de, enfin, ils vont se faire beaucoup d'argent au final grâce à notre truc. Et donc, il faut qu'ils comprennent que sans nous, je veux pas dire qu'on est indispensable, mais au final, sans nous, bah, ils font quoi? Ils font leur petit logo sous Word, c'est moins d'impact. Et ça, c'est assez difficile. Ça, c'est très difficile à faire comprendre aux gens. Mais alors après, il y a une réalité, c'est que le marché des freelances, des graphistes, des designers, il y en a beaucoup, beaucoup. Comment on fait pour se démarquer? Parce que le but, c'est pas de. Moi, par exemple, je préconise pas mal de travailler gratuitement, pas juste parce qu'on n'arrive pas à facturer, mais pour créer un portfolio, pour gagner de l'expérience. Quand on est débutant, c'est vraiment important. Et puis, on a du temps, on est censé. Voilà, faire un sacrifice parce que finalement, si on se met à notre compte et qu'à chaque fois qu'on travaille, on trouve des clients, bah, c'est, j'ai envie de dire, c'est facile, c'est tous les avantages du salariat et les avantages de l'entrepreneuriat. Et malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Donc, à un moment donné, il y a une réalité, c'est qu'en face, les clients, ils ont tellement de choix de graphistes qui se font une concurrence sur les prix et les prix baissent, 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 baissent. Et toi, quel conseil tu donnerais ou qu'est-ce que toi tu as mis en application bah, pour quand même te démarquer un peu des concurrents? Alors moi, par exemple, j'accompagne beaucoup le client. Par exemple, j'ai une cliente que j'ai rencontrée. Bon, c'est pas les réseaux sociaux, mais c'est dans la vraie vie, du coup. C'est une voisine. Elle est hypnothérapeute. Et elle ouvre son cabinet. Donc, elle voulait savoir pour les cartes de visite. Donc, honnêtement, elle a cherché, on a été très honnêtes l'une envers l'autre. Elle a d'abord cherché sur Internet, à faire sa propre carte, regarder un petit peu. Bon, elle est revenue vers moi. Elle me dit, bon, combien tu prends pour une carte, etc. Et honnêtement, je lui ai fait un prix très, très, très sympa, parce que j'avais envie de lui faire sa carte. Elle est très contente. Et après, elle m'a rappelé pour faire un flyer. Donc là, forcément, il faut augmenter les prix. Mais en fait, je parle beaucoup avec elle et je lui explique que, bon, nous aussi, c'est un travail. Elle fait payer ses séances, ben, c'est assez cher aussi, ses séances. Donc, elle a vraiment compris que c'était mon métier. C'était pas juste pour m'amuser. Donc, moi, ce que je conseille, c'est éventuellement d'offrir quelque chose. Par exemple, le client, il veut faire, ben, pour revenir à un restaurant, il veut faire carte de visite, menu, devanture, etc. Ben, je sais pas, peut-être qu'on peut lui offrir les cartes de visite. Et du coup, en fait, je pense qu'il faut leur faire des rapports. Voilà, par exemple, normalement, je pourrais prendre tant, mais au final, ça, je vais te l'offrir. Et je veux te l'offrir parce que j'ai envie de bosser avec toi, j'ai envie que tu aies de bons retours, et après, j'ai envie que tu parles de moi. Si tu es content, tu peux me faire de la pub, etc. Moi, j'offre des choses. Mais c'est pas tout gratuit. J'offre quand même sur le lot, j'offre où je fais un prix intéressant pour qu'après la personne parle de moi. Et cette dame-là, elle distribue mes cartes dans tous ses salons, donc on ne sait jamais. C'est génial. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner au freelance avant qu'on parle de la suite? Oui, je sais que des fois c'est pas facile. On peut d'un coup avoir le moral un peu à zéro parce qu'on se dit ben justement par rapport à ça il y a trop de concurrence, c'est pas possible et tout ça. Mais en fait, quand c'est comme ça, faut vraiment se poser et faire encore le pour et le contre. Voilà, j'étais salariée, maintenant je suis freelance. Le pour et le contre. Et honnêtement, moi je trouve que quand on a goûté au freelance, on n'a plus du tout envie d'aller dans une entreprise. Parce que on a envie vraiment de bosser pour soi et il faut sinon faut se remettre en question, se dire bah, peut-être que je suis pas assez bon en ça, il faut se reformer, aller voir sur internet, se dire bah, peut-être que je dis n'importe quoi, Photoshop je suis pas terrible finalement pour les retouches photos, je vais me forcer, je vais me booster, je vais me reformer et là on ajoute encore au portfolio,
je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Il faut vraiment se démarquer par rapport aux autres. Mais surtout, quand on aborde des clients, faut pas y aller juste « Bon, bonjour, je suis graphiste, voilà mes tarifs, je fais ça. » Bon, le client, il va faire « Ouais, super, il va jeter le truc. » Non, je pense qu'il faut y aller. Bonjour, j'ai vu votre truc, votre société, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on peut se voir, on peut se rencontrer? Je pense qu'il faut d'abord faire un contact d'abord humain et après voir ce qu'on peut lui apporter professionnellement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas arriver comme ça en frontal parce qu'il y a trop de graphistes. Il y a trop de concurrence, trop de graphistes. Je pense qu'il faut faire ça d'abord sans forcément proposer nos services. Juste s'intéresser à la personne, en fait. Encore une fois, privilégier l'humain, le relationnel, et ouais, t'as raison, et ne pas être là juste en alternative à Vistaprint, quoi. Justement, on est un être humain, on apporte beaucoup plus du conseil, et puis c'est agréable de travailler avec nous. Ah oui, ben j'étais déjà comme ça, mais je me rendais pas compte, et la formation m'a. Waouh, j'ai fait, mais oui, je suis comme ça, c'est ça, et on peut bosser en étant soi-même, en étant. Souriant et puis pour se faire plaisir, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Génial. Merci Barbara pour ce partage. Alors maintenant, raconte-nous la suite. Donc, les affaires se développent, ça se passe de mieux en mieux, mais pourtant, tu veux rejoindre un rêve peut-être d'enfant. Raconte-nous ce que tu prépares. Oui, c'est vrai que ça commence à se développer. Donc, mon business commence à se développer. Les gens m'appellent de plus en plus, donc ça me fait beaucoup plaisir, c'est super. Mais c'est vrai que, comme je le dis, on a quand même des doutes et il y a quelque chose que je rêve de faire depuis petite, vu qu'en troisième, j'avais fait mon stage avec le prof d'art plastique. Eh bien, j'envisage de passer du coup le concours pour le CAPES de professeur d'art plastique. Donc, en fait, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que quand on a été, on n'a pas besoin de passer par les filières classiques pour passer ce genre de diplôme. Quand on a, on justifie 5 ans de travail dans le privé, on peut passer ce qu'on appelle le troisième concours. Et c'est exactement le même concours que pour les futurs enseignants, ceux qui passent par les filières classiques, fac, etc. Et donc là, je vais me renseigner pour être formée au concours du CAPES d'art plastique. Donc 2019, puisque là, je suis en train de me renseigner. Je vais passer par le CNED donc, pour être formée. Et puis, honnêtement, je vais le tenter parce que on n'a qu'une vie. Donc oui, freelance, ça me plaît. Mais j'ai envie de tenter, même si c'est juste personnel, j'ai envie de... Et pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans et pas dans 2 ans? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire « Allez, maintenant, j'y vais » Figure-toi qu'il y a quelques années, je m'étais déjà renseignée. Donc, c'était peut-être en 2012 ou 2013. J'avais fait toutes les démarches. J'avais pris les papiers au CNED et tout ça. J'étais en entreprise à ce moment-là. Mais je n'étais pas prête. J'avais peur. Je me disais « je ne sais pas ». Toujours encore ces vieux démons. Oui, il y a un concours, mais il y a peut-être 30 places, on est 300, je ne sais pas, j'étais pas prête. Mais j'en reviens encore à la formation. Moi, la formation, ça m'a, ça m'a tout couvert, quoi. C'est vraiment, je me suis dit, mais en fait, Lingen, t'es très motivant, en fait. Quand on te voit, comment t'es passionné, tout ce que tu fais. Vraiment, c'est très, très inspirant. Et honnêtement, moi, tu m'inspires. Et du coup, je me dis, j'ai envie de faire comme toi et de vivre de ma passion. Donc, c'est génial. J'ai envie de tout essayer au final. Me dire, je ne sais pas si je ferais ça, mais j'ai envie de le faire. C'est génial, c'est génial. Et je pense qu'en plus, il y a une telle place. Quoi. Les enfants ont besoin de tellement, tellement de choses. Donc là, on va un peu plus loin, mais c'est une réflexion que j'ai depuis quelques années. Les problèmes de notre société sont liés au fait que les enfants ont une mauvaise éducation. Et je pense que les profs ont un rôle tellement important à jouer. Et puis, j'imagine que si tu fais ça, ce n'est pas juste pour leur apprendre à tracer des lignes droites. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là. Pourquoi tu veux t'impliquer auprès des enfants pour l'art plastique? Moi, j'adore en fait. J'adore les enfants.
J'ai toujours eu un contact très proche avec les enfants. Ils viennent vers moi, je vais vers eux sans rien demander. Je m'entends très bien avec eux. Les enfants, je parle même les ados, hein, ce n'est pas que les petits. Et du coup, j'aime enseigner. Même dans mes anciennes boîtes, j'ai souvent formé les nouveaux. Et en fait, j'adore ça. Alors, dans la vie de tous les jours, je n'ai pas de patience. Je ne peux pas attendre. Oh là là, il y a un téléchargement d'un truc, c'est trop long, ça. Je n'ai pas de patience. Je ne peux pas attendre une livraison. Je préfère aller au magasin pour m'acheter tout de suite le bouquin, par exemple. Mais par contre, quand je montre quelque chose, je me sens vraiment bien. Et quitte à répéter, j'ai vraiment envie d'enseigner. Et pourquoi pas, bah, si après j'arrive à concrétiser ça, je veux leur parler de mon parcours. Parce que souvent, quand on est au collège ou au lycée, bah, moi j'ai été à leur place et en fait, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et moi, je veux leur dire, mais en fait, y a plein de choses à faire. Et puis, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire des trucs si on n'a pas le bac ou si on a juste le niveau BTS. Ou si... Enfin, tout ça, je ne savais pas. Et c'est vrai que malheureusement, dans les centres d'orientation, on a des classeurs. Bah tiens, prends ton classeur et cherche ta fiche de métier. Voilà, merci. Ok, super. Donc moi, j'ai vraiment envie de ça. J'ai même hésité à faire conseiller d'orientation. Ouais, moi, je me souviens de ces fameux fiches. Je voulais être actuaire, c'est un métier, on n'en avait jamais entendu parler, mais par élimination, c'était l'affiche qui correspondait le plus à mon truc. Donc, je te comprends et je trouve ça génial. Ce que je retiens vraiment, c'est ton amour pour les gens qui, en fait, t'a amené à différents endroits et qui t'a amené aussi à réussir. Et moi, je n'ai pas de doute que tu réussiras ton CAPES. J'espère vraiment que tu vas pouvoir être prof et réaliser ce rêve. Et ben voilà, un dernier mot à partager aux gens qui pensent même aux élèves. En fait, plus tard, tu auras des élèves, on pourra leur montrer cette vidéo. Tu vois, soit dit en passant, je n'ai pas le temps de vous raconter certaines choses ou je n'ai pas le droit. Regardez cette vidéo. Mais voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui se posent des questions sur leur orientation de vie, leur orientation professionnelle? Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même quand tu étais plus jeune? Bah, moi-même, je me dirais que en fait, j'ai pas assez demandé à mes parents en fait de m'aider ou à l'entourage, parce que les parents, c'est vrai qu'ils ils ont confiance aux professeurs et aux conseillers d'orientation encore, et ils se disent bah, eux ce sont les mieux placés pour aider mon enfant à trouver sa voie. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment aller vers les parents et dire voilà, moi j'aime faire ça, est-ce que tu veux bien m'aider à trouver ma voie? Je sais pas, peut-être en allant voir des professionnels ou quoi. Je leur dirais, il faut vraiment impliquer les parents là-dedans, ou les amis, ou les grands-parents, je sais pas, les gens avec qui on est proche. Et il faut se dire que il y a vraiment quelque chose, il y a toujours un métier fait pour nous. Il faut pas juste se dire oh ben je vais faire ça parce que ben moi j'ai un travail et puis voilà. Ben non, parce qu'au final, ben on se rend compte que ben voilà, ben moi j'ai eu 39 ans il y a pas longtemps, et je me dis ben j'aurais dû faire ça il y a 10 ans même plus, mais j'ai aucun regret. On grandit en fait, on est beaucoup plus on est mûr, on est plus assuré, et il faut pas baisser les bras. Même si on se dit cette filière-là, non, c'est pas possible, 30 places pour ce concours, mais il y a d'autres moyens d'y arriver. Et quand bien même il y a d'autres moyens, pour mon projet par exemple, il y a d'autres moyens. Je peux contacter les écoles privées, je peux. Il n'y a pas besoin de. J'ai vraiment envie de faire ça. Il y a tout. Il faut vraiment tout mettre en œuvre pour réaliser ces rêves, quoi. C'est génial. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la vie, on va dire, savoir que voilà, c'est pas forcément une ligne droite, mais au moins, toi, tu es allé dans la bonne direction. Tu es passé par Saréal Freelance. Et puis, voilà, il faut être patient, mais au moins, ne jamais lâcher ça et aller dans cette direction, quoi. Oui, oui. Et puis, sinon, il faut vraiment se dire… Moi, j'avais tendance à me dire… En fait, pour les autres, je me dis toujours, même s'ils ont 50 ans, 60 ans, je me dis toujours… Ah, oh, c'est trop bien, oui, fais-le. Et moi, je me disais toujours, oh non, je suis trop vieille, je ne vais pas changer de maintenant. Et tout.
C'est trop bizarre. Et en fait, là, cette fois, je me dis non, quoi. Puis, faut y aller. On a vraiment. Super. On peut faire que ça, quoi. Ben, merci beaucoup, Barbara, pour ton temps. Je pense que ça a inspiré beaucoup de gens. Je pense que voilà, ton parcours est vraiment parlant. Jeune, j'aurais beaucoup aimé regarder cette vidéo, t'écouter, partager ton expérience. Donc, je suis certain que ça va aider pas mal de gens. Merci pour ton temps, Barbara. Ben, je te souhaite une bonne continuation. À bientôt, du coup. Ouais, bien sûr. Au courant. Ciao, ciao. Bye.